Ok. La demeure de Gardemoun. Comment ça se fait que je l'ai découverte celui-là? Ce lieu? Que j'ai découvert ce lieu avant? Enfin, je vais pas m'en plaindre, hein, mais. Ah! J'ai pas bandé l'arc pratiquement. Tiens. Voilà, bon. J'ai voulu m'amuser à ça. Qu'est-ce qui couine là? Ramasse des champignons, hein. À mon avis, t'étais en meilleure santé, toi, à un moment. Bon, on va faire un stock de champignons, hein, pour des potions que je ne ferai jamais. Parce que finalement, je fais autre chose. Bon, alors. Mais c'est pas chez moi que j'entends crier, c'est bien dans le jeu, hein. Bon, il va falloir descendre à mon avis. Donc c'est un truc sans retour. Je vais faire une petite sauvegarde pour être potentiellement apte à m'en sortir et pas galérer comme un fou. Ok, là il y a. Oh putain, elle m'a fait peur celle-là. Elle m'a fait peur, Lydia. Comment t'es arrivée là avant moi? D'habitude, tu sautes pas quand. Est-ce qu'il y a quelque chose de par là? Parce que. Oh, une gemme, après tout, hein, pourquoi pas? D'habitude, elle saute pas quand il y a un truc comme ça. Bon, voilà, ça y est, ça c'est une affaire réglée. Prendre du poison. Oh, putain, un aussi gros coffre pour. Pour quelques pièces, piécettes. Bon. Cantelet de fer, non. C'est quoi ça? Derrière toi! Si c'est moi que tu vises, tu m'as raté, hein. Flèche, très bien. Oh, j'aime. Ok. Ah ouais, ah oui. Bien joué.
Ah là, je me suis bien fait avoir. Moi, de toute façon, je tombe facilement dans les pièges, hein, de ce jeu. Bon, déjà aussi parce qu'ils sont relativement insignifiants. Qu'est-ce qui te prend? Ils sont relativement insignifiants, c'est-à-dire, bah voilà, je me prends le truc sur la tronche, je perds un peu de vie, puis c'est tout. D'accord, alors. Où est-ce que j'ai des indices? Ah. Aigle, dauphin. Aigle, dauphin. Attends. Faut que je vois quelque chose. Aigle, dauphin. Et j'ai pas. Je suis con, j'aurais pu en profiter pour regarder les deux autres. Dauphin et serpent. Alors, comment j'ai choisi? Je me suis dit que ce qui était là, c'était ce qui est du côté là. Et ce qui est du côté là, c'était ce qui est sur ces murs-là. Je sais pas si c'est. Oh merde, je sais déjà plus. Dauphin et serpent. Voilà. Bon, ma déduction était logique. En gros, c'était ceux qui étaient sur un mur, bah, l'équivalent se trouvait sur le même mur. Du tir au pigeon. C'est quand même mon arc est quand même de très bonne qualité pour les buter en un coup. Où t'es? Où t'es? Bon, celui-là, il est un peu plus costaud, on va dire. Bon, je te le laisse, Lydia. Mais il se régène. Le petit coquin. Il est descendu? Tu l'as buté? Attends. Ah bah ça doit être là. Flèche de fer, oui ça c'est Lydia. Bah. Ok, c'est bon. J'ai eu raison de te refiler des flèches. Donc il y a moyen d'aller là puisqu'il y a des passerelles. Donc là, ça va déclencher quelque chose. Hein. Au seigneur Garmund, archimage de Vendôme, seigneur des mages guerriers du roi Harald. Magus, que ta vigilance reste éternelle. Continue à servir dans la mort comme tu l'as fait dans la vie. Par ces sceaux que notre royaume perdure, qu'il reste à l'abri des trois traîtres et de leur sort maléfique. Ok. Non, il n'y a pas de. Oh, il y a la clé là. Ils auraient pu quand même le mettre dans un linceul. Hein. Pas très respectueux quand même.
Tiens. Oh bon, bah, je voulais le buter à coup de d'arc, mais vraiment le tabasser avec un arc. Tel enchantement, non, je m'en fous. Je sais pas comment ça marche, alors je vais pas m'amuser, surtout en plein donjon. C'est quand même un crève-cœur de voir des livres abîmés. Et quand je dis abîmés, que ce soit la couverture qui manche ou qu'il y ait des pages qui soient cornées, ok, mais tant que c'est lisible, c'est pas gênant. Mais là, c'est des trucs qu'on ne peut plus lire. Est-ce qu'elle a perdu son arme, Lydia? Je pense qu'elle a perdu son arc. Ouh. Oh là, ça c'est du plan là. Ça c'est du bon plan. Ok, est-ce que tu as perdu ton arme? Normalement, tu en as deux des trucs d'ébonite là. Hache d'ébonite, non, c'est bon. Ton arc est là, ok. Passez devant. Hache d'ébonite, ouais. Un arc long, honnêtement, c'est ridicule, hein, quand même, comme loot. Pas top. Alors, qu'est-ce que je voulais. Hache d'ébonite par rapport à mon épée 25. Ah, ça, ah oui, mais c'est à deux mains, attends. Ah non, c'est à une main. Ok, donc ça pourrait être intéressant parce que en la raffinant, je vais gagner un ou deux points dessus. Ouais, ça peut être intéressant. Ouh. Bon alors, comment ça se fait que ce n'est pas fait ce que je voulais? J'ai pas d'autre chemin. Non, c'est pas un autre chemin, ça. Alors bon, il faut que je retourne là-haut. Hey, faites attention. Grosse conne, c'est toi qui me rentres dedans? Donc j'ai pas compris à quoi servait ce levier là. Non, je vais te tabasser à coups d'arc. Bon, ça fait pas beaucoup de dégâts. Ah bah si, mais non, ça doit être Lydia qui. Bah non. Évidemment, Lydia. Hein, Lydia.
Ça suffit comme explication. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, ok. Oh oui! Oh bravo Lydia! Oh. Ah non mais tu te fais défoncer à un coup? Mais t'es morte? Oh non! Oh non, comment elle s'est fait buter cette idiote? Ah oh, puis à quel niveau je suis là? Ah oh, ça se trouve, j'ai même pas. Bon, si, c'est bon. Il est bien caché ce levier hein, quand même. Alors, pourquoi elle s'est fait buter cette conne? Bon, alors toi, Encore là. attendez ici. À vos ordres. Non, je veux pas que tu... Même si je râle après toi, je t'aime bien. J'ai besoin de mon mulet, moi, hein. Voilà, ok. Est-ce qu'il y a moyen de désactiver le...